Yo les potos, c'est Elisar, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les potos. Vous l'aurez vu dans le titre, voilà, je sais pas ce que j'aurais mis. Je me barre de YouTube, je décale sur Twitch ce qui va se passer sur ma chaîne. Je sais pas du tout ce que je vais mettre comme titre. Mais aujourd'hui voilà, on va se parler un peu, je vais vous parler, vous dire mon ressenti. Avant cela, pour ce qui est du gameplay les potos, en ce moment je charbure, je carbure, carbure Rainbow Six Siege, voilà. Je fais des tournois avec mes frérots et tout, du coup il faut vous dire que je travaille pas mal le jeu. Aujourd'hui je vous ai pris une petite game que j'ai fait en compagnie de Francis Gaming, donc merci à lui. Voilà, vous allez voir, une game assez serrée qui va se finir vraiment aux prolongations 4-4. Je jouais Kavera H et vous allez voir qu'il y a des kills bien sympas, des belles actions. Est-ce qu'on a gagné ou perdu? Vous le verrez bien à la fin. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de ma chaîne, les potos, ce que je ressens en ce moment. Et je vais vous dire tout simplement que je suis décalé sur Twitch. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, les potes, je pense que vous avez remarqué que depuis que j'ai fait ma pause, qui a un peu mal tourné, comme dirait l'autre, les vidéos, c'est plus ça, quoi. C'est plus pareil, vous voyez, je poste plus de vidéos régulièrement. Je fais plus de live, même le week-end, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui pourront dire, mais comment ça se fait, etc., etc. Alors déjà, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas logique. Je viens d'avoir les 600 abos, c'est justement là qu'il faut que je fasse beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs. Les gars, cette pause m'a permis à me rendre compte de plusieurs choses. D'accord? De plusieurs choses. La première chose de sur quoi ça m'a rendu compte, c'est avec les cours. Je me suis vraiment rendu compte que les potos, j'étais vraiment plus concentré sur les cours et que je faisais une vidéo par jour, un live le lundi, un live le mercredi, un live le vendredi, un live le samedi, des fois trois lives par jour, enfin c'est n'importe quoi. Et des fois je faisais ça et je m'en rendais pas compte. Là les potos, voilà, moi on m'a fixé un objectif, mes parents m'ont dit voilà que si je me mettais à bosser, j'aurais un PC à mon anniversaire. Évidemment, je veux ce PC. Voilà. Évidemment que là, je suis en train de me donner à fond, et mes parents le voient, ils me le disent, je suis en train de me donner à fond, je travaille mes cours, il y a le brevet qui arrive. Alors c'est bien marrant de dire, ouais, le brevet, c'est dans quelques mois, mais boum, je vais y être en un claquement de doigts, et là, je vais être là. Voilà, donc là, je me concentre pour le brevet, les potos. J'ai plein de trucs à faire à droite à gauche pour mon orientation professionnelle, etc., etc. Donc je suis super concentré dans les cours et automatiquement en fait j'ai plus le temps pour les vidéos. D'accord? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, les potos, je trouve énormément que j'ai une communauté inactive. Voilà. Que vous aimiez pas un jeu, pas de soucis. Que vous aimiez pas un sujet, pas de soucis. Que vous receviez pas les notifs, pas de souci. Franchement, je prends toutes les excuses, il n'y a pas de souci. Mais les gars, quand j'essaye de faire du contenu pour tout le monde, vous pouvez pas toujours, vous voyez, me sortir ces mêmes genres d'excuses. Parce que tu vas me dire, ouais, perso, j'aime pas BO3. Ouais, mais je fais des lives, BO3, je fais des lives Fortnite, tu es pas non plus. Ouais, mais moi, Taser, je reçois pas les notifs. D'accord. Mais voilà. Attends, tu reçois les notifs game. Tu vois, il y a une différence entre les abonnés qui trouvent tout le temps une excuse à me dire ça. Et je vais prendre le cas de Braham, un abonné à moi, qui m'a dit là il n'y a pas très longtemps, ouais Taser, je comprends pas pourquoi moi je reçois plus tes notifs. Voilà. Là je sais que Braham dit la vérité. D'accord. Je sais que c'est vrai qu'il a pas reçu les notifs. Parce que il me l'a dit une fois dans le mois. Il me l'a pas dit à tous mes lives ratés. Comme certains l'ont fait. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point les potos, c'est que j'ai vu beaucoup que sur ma chaîne YouTube je me forçais énormément. J'ai vu que Fortnite ça marchait, que ça m'avait apporté des abonnés. Et voilà. Et automatiquement je me dis, putain, j'aimerais bien faire du RC, j'aimerais bien faire du BO3. Ah ouais mais merde. Si je fais du BO3, les gens vont pas aimer. Bon, mais c'est pas grave, je vais me forcer à faire un live sur Fortnite. Je pète des plombs, je rage. Voilà. Et du coup, ça donne des lives dégueulasses après que je dois supprimer, tu vois. Et j'ai pas envie de ça. Donc moi, maintenant, j'ai pris une décision, les potes. C'est que moi, maintenant,
Je vais, en fait, là depuis un jour, je suis décalé sur Twitch. Voilà, vous connaissez Twitch, la plateforme de stream. Pour ceux qui veulent venir me voir jouer, il y aura mon Twitch dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Je vous mettrai mon Twitch, vous pouvez me follow, venir voir mes lives de temps en temps, voilà. Ce qui va se passer sur ma chaîne, c'est que de 1, il y aura toujours des vidéos. Mais pareil, ça sera des vidéos, peut-être une vidéo par semaine si j'ai le temps. Il y aura toujours des vidéos. Et je vous préviens d'avance, ça sera des vidéos sur BO3, sur R6, comment ça s'appelle? Sur Fortnite. Peut-être que je suis à même à vous proposer peut-être du... Je suis peut-être à même à vous proposer du Ratchet et Clank, du Gang Beasts avec mes potes, un jeu que j'ai acheté aujourd'hui même et que je m'amuse bien. Voilà. D'accord? Donc voilà, maintenant ça va se passer comme ça sur ma chaîne. Maintenant je vais faire exactement ce que j'aime. D'accord? Et sachant que j'ai Twitch à côté, qu'un abonné me balance un... J'ai pas reçu la notif et que je fasse du 15 vues, je n'en ai plus rien à foutre. Voilà. Je vais faire mes vidéos parce que j'ai quand même 600 abonnés et ma communauté, c'est ma communauté. Mais je ne vais plus tout simplement me soucier de ça. Et maintenant, les gars, je vais choisir, je vous dis, vraiment la simplicité. Et je vais faire ce que j'aime. Voilà. Pour ce qui est de Twitch. Je vais stream quand j'ai envie. 3 minutes, 40 minutes, 6 heures. Ça sera vraiment comme j'ai envie. Et sur Twitch, pareil. Je fais les jeux que j'aime. Et là, vous allez me dire, oh, mais Taser, en fait, c'est débile sur Twitch. T'as même pas de followers, etc. Pas de soucis. Je prends votre remarque. Les gars, je vous jure que si il y a quelqu'un qui arrive à me contredire, je soulève mon chapeau. Est-ce que vous trouvez ça normal, les potos? Que j'ai 600 abonnés sur cette chaîne YouTube, que je fais des lives, il n'y a personne. Mais que je débarque sur Twitch pour mon premier live, donc j'ai pas de followers, c'est mon premier live Twitch. Vous pouvez demander à mon frérot Francis Gaming qui lui aussi est sur Twitch, et qui d'ailleurs, s'il le souhaite, il pourra vous mettre son Twitch aussi dans les commentaires. Vous pouvez lui demander, j'ai tapé 13 viewers. Voilà, 13 viewers qui sont arrivés là. Je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ils étaient pas follow, ils ne parlaient pas, mais ils étaient sur mon stream. Tu vois ce que je veux dire? 13 spectateurs. Maintenant, les gars, YouTube, ça commence, et ça, j'espère que je vais essayer d'en faire prendre conscience beaucoup. YouTube, les mecs, ça commence à partir en couille. Il y a sur YouTube une communauté de gros gamins. Des mecs qui t'insultent, des mecs qui disent des trucs mal sur toi. Des mecs qui veulent que tu te suicides. Des mecs qui veulent que t'arrêtes. Qui disent que ce que tu fais c'est de la merde, que t'es nul à tel ou tel jeu. Mais ces genres de mecs-là, bizarrement, tu leur dis viens à V1, ça te balance flemme. Petit clin d'œil à quelqu'un. Hein? Ça te dit t'es nul à Rainbow. Ça te dit des trucs en mode ouais voilà. Et quand tu veux les prendre en 1v1, ça te répond j'ai la flemme. Voilà, je vise quelqu'un. Voilà. C'est bizarre quand même. Tu vois? C'est bizarre. Tu vois, c'est comme les mecs qui te disent ouais, ta chaîne YouTube est plus la merde. Tu regardes leur chaîne, tu cliques sur une vidéo. Salut les mecs, c'est Jonathan Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Evolved 14. Voilà, tu vois, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce barbacoa? Tu vois, donc c'est pareil. Les mecs, ils te disent t'es nul, t'es nul, t'es nul. Viens, viens. Non, j'ai la flemme. Tu vois ce que je veux dire? Oh les gars, moi je trouve vraiment que YouTube, c'est une communauté de gamins. Moi, les potos, je vais tranquille aller sur Twitch. Vous me suivez pas. Qu'importe.
Sérieusement, hein, qu'importe, c'est. Faites vraiment ce que vous avez envie. Voilà, si vous avez envie de me suivre, je serais ravi. Si vous n'avez pas envie, tant pis pour vous. J'ai envie de vous dire tant pis pour vous. Je crois que aujourd'hui, donc hier, c'était la journée où je me le suis le plus amusé en live sur Twitch devant des personnes qui ne parlaient pas mais qui étaient présentes. Voilà. Mais je vous préviens, si vous me suivez sur Twitch, d'accord? Si vous me suivez sur Twitch, vous attendez pas à du Fortnite, à ce que vous aimez. Attendez-vous à ce que j'aime moi. D'accord? Je vais en finir là, c'était pas une vidéo coup de gueule, juste je voulais m'exprimer au niveau vraiment de cette communauté de merde que devient YouTube, de tous ces gamins qui. C'est. Voilà, c'est des mange-merde. Tu leur fais de la merde, des pranks fake, des vidéos à la con, des vidéos de 10 minutes, ils aiment. Par contre, tu leur fais des best moments de Fortnite et tout, plus personne. Donc voilà, moi ça me dégoûte YouTube, les potos, franchement je vous le dis, hein, j'y reste que pour regarder les vidéos de mes youtubeurs qui créent du contenu, Tony FPS, White Shark. Voilà, les autres, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je vais tranquille moi tracer sur Twitch. Et voilà, je peux vous dire que j'ai jamais été autant épanoui et motivé dans un projet. Et je peux vous assurer que si vous venez rien que sur un live Twitch, ou je suis rien qu'avec Francis Gaming, vous n'allez pas me reconnaître. Parce qu'en stream ensemble, on a cet esprit d'équipe, on a cette. Ouais les gars, au passage j'ai aussi un frérot à moi qui se lance sur Twitch, n'hésitez pas, boum, un lien se crée. Et je vous jure, vous me reconnaîtrez pas. J'ai fait en une journée 5 live Twitch. 5 live Twitch de 40 minutes peut-être. Un live en facecam, un live où je délire, un live Fortnite avec des beaux petits top 1. Des live versus avec des be belles petites actions. Je clip les moments importants. Boum. Voilà. Et je m'éclate, franchement. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Même si je sais qu'encore une fois, il n'y a personne qui va voir cette vidéo. Tant pis. Je le dis juste, voilà. Je le dis juste et. Et voilà. En tout cas, maintenant, je vais m'adresser juste à mes bons abonnés qui veulent me suivre sur Twitch. Voilà. Je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo, pas forcément dès qu'elle sort, hein, par contre, je vous préviens. Mais je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo mon Twitch. Voilà, je vous mettrai mon Twitch si vous voulez regarder mes streams, etc. Et je vous mettrai et aussi Francis Gaming de son côté vous mettra s'il en a envie son Twitch et son Streamlabs si vous voulez lui faire des dons. Mais bon, ça, hein, vous voyez sur ses streams à lui. Il va pas m'afficher 36 000 liens le gosse non plus et voilà. Hein. Bref les potos, je vous laisse. En tout cas c'était Taser. Merci beaucoup encore hein, pour les 600 abos. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. À venir me suivre sur Twitch, très important. Et voilà, c'était Taser. Et voilà. Ciao les mecs.